Yo tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du nouveau fusil à pompe, le MX Guardian, qui est littéralement abusé sur Warzone 2. D'ailleurs, je comprends pas le move d'Activision, on se plaignait déjà assez des fusils à pompe. Ils nous en remettent un, qui en plus a une cadence de dégénéré. Et franchement, vous allez le voir sur le gameplay, c'est littéralement trop fort. Comme d'habitude, moi je vous retrouve en FAF 2 pour la classe, c'était Kigunin, et bon gameplay à vous. Je me concentre un peu là pour save, histoire de me réveiller. Ce serait pas mal. C'est un peu beaucoup là, non? Bah c'est Rust, hein. Rust, c'est le genre de jeu, c'est le jeu du chômage, hein. Quand tu sais que tu peux te faire raid quand toi tu dors, bah t'as pas envie de déco, en fait, hein. Tu fais des roulements avec tes mates et tout. Y'a l'autre là qui est en train de monter. Pardon, c'est quoi ce pompe MDR? Bah c'est le nouveau là, c'est le... Tu sais comment il s'appelle? Ah bref. S'appelle le MX Guardian. Par contre, le pompe c'est trop fort. J'aurais bien aimé avoir la téléportation pour Rota ou le super jump. En vrai, les deux meilleurs pouvoirs pour Slay sont téléportation et jump. Hein. La décharge en vrai, c'est bien si t'as masse de monde sur toi, comme ça tu stun et tout. Le laser, pareil. Mais c'est vraiment dans des situations prédéfinies, on va dire. Là, pour le coup, c'est pas très utile dans mon cas. T'as combien de FOV? J'ai 120. Tellement nuant en Warzone 2 maintenant. Oh, je suis tellement pas d'accord. Moi, là, moi en vrai, j'aime bien le jeu, hein. Ça change. C'est agréable d'avoir un peu de changement. Au moins là, on peut pas nous dire qu'ils ont fait une mise à jour bateau et que c'est comme d'habitude, hein. Pour une fois qu'ils font un truc, moi j'applaudis. Vraiment, ça fait du bien. Les touches de la map? Ouais, on a un petit start là, en vrai, on est bien. On a un petit start pas dégueu, on a 14 kills. Je pense qu'on peut faire une 30-40 là, en vrai. Il y a eu un mort parlant. J'ai pas mes atouts. Non, je l'ai pas tué. Dommage. Sur pouvoir, c'est cool. Par contre, je pense que c'est le seul qui a des fresh strikes pour toi. Hein. Bah, correct, je pense pas. J'ai que 90 en soi. Pour une config à 3 000 €, c'est pas énorme. Quand on y pense. Quand on y pense, c'est pas fou. Parce que passer une 80 FPS déjà pas dingue, il y a 35 injouables. Ouais, bah là autant jouer sur console, hein. Après, ils ont dit qu'ils allaient faire une mâche par rapport à ça. Mais ouais, je pense qu'il va être une bonne semaine avant de la mettre, la mâche. Connaissant Activision, ouais, une bonne semaine, un truc comme ça. Après, ouais, on a connu mieux en termes d'opti, quoi. Ça vraiment, c'est clair et net. Pas mauvais, lui. Pas mauvais, pas mauvais. Tiens, on va viser de la gauche. Soldat ennemi en approche. Ah, il est en l'air, ok.
je comprenais pas. Est-ce qu'ils ont patch le bug? Oui. Il y avait un bug où quand tu tirais sur une boîte, enfin sur un truc de ravitaillement, shop portable, ça donnait de la thune. Ça va, ils l'ont déjà patch, en vrai, ils ont mis quelques jours à peine. Peut-être qu'ils avaient le piège hier matin. Alors moi, vraiment, hier, j'ai pas joué. Moi, hier, frérot, je traînais avec des amis. Une flemme énorme de jouer, vraiment. Et merde. Ça, ça fait du bien là en vrai de jouer tranquille sans prise de tête. J'ai un mec qui me snipait, je sais pas si c'était hier ou avant-hier. Alors vraiment moi le jour où je fais du pillage, voilà hein. Si je fais du pillage, c'est que je suis malade hein. Ouais. Bah il y avait un mec, je peux aller partir. Ils auraient dû le top drop de V temporaire. Oh bah tu vois, ils font des bonnes mages en vrai, genre ils font des bons trucs. Il venait de net lui. Vraiment, il venait de naître, hein, c'est terrible. Oh oui! Meilleur à tous, hein. Tellement fort. 80 FPS, ouais. Oh le masque là. Le masque, il était pas très mêlé. Donne-moi mon advance. Ah, j'ai mal au bide. Beau play, vraiment beau play, je m'attendais pas. À deux doigts de me détruire. On peut reprendre un advance. 1, 2, 3. Calmez-vous dans le chat, les gars. Oh. Calmez-vous, calmez-vous. Pas de baston, on est ici pour être chill détente. Je vais me mettre des bannes, les gars, aujourd'hui. S'il vous plaît, comportez-vous en adulte. Oh, le rat. Prends bien sens ce qu'il met. Tu me donnes quoi là? Ok. Comment ça, t'es pas mort?
C'est bien de courir, mais... J'ai pas une mauvaise game, là. Alors, le jeu, c'est un calvaire parce qu'on le voyait viser de l'autre côté. Et Puntil qui est sorti à son calvaire, c'est le chien, on en parle, lol. Les gars, arrêtez de critiquer tout le monde. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Laissez donc les gens tranquilles. Qui sommes-nous pour juger les autres? Bien joué. Bah, pas de cancer. Ah bah là oui, pour le coup oui, je suis d'accord. Là pour le coup t'as raison. Je ne peux te blâmer de me traiter de cancer, je ne peux te blâmer. Dommage la 40, ouais. On fera 37 avec le top 1 si on l'a. Après, il était tout en haut. Je pense qu'il va me tuer, honnêtement. Il a une bonne pause. Il a une bonne pause, il est tout là-haut. Je pense qu'on meurt sur ça. Hein. Je vois pas son ombre. Bah écoutez, deuxième game de la journée, 37 kills top 1, avec le pompe cheaté et la ISO. Content ? On est sur une première bonne game aujourd'hui, sur la deuxième. Et re du coup les gens, vous l'avez vu, l'arme c'est une dinguerie. Du coup, voici la classe, moi je vais l'équiper de cette manière. Et sincèrement, quoi dire de plus ? Au corps à corps, c'est juste full cheaté. Le fusil à pompe, il a une cadence de dégénéré. En plus de ça, les dégâts sont plus que bons. Pour moi, on est sur l'équivalent d'un KV Broadside en plus fort. Moi les gars, comme d'habitude, si jamais vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. C'est gratuit et ça me soutient énormément. Et moi, je vous retrouve pour les prochaines vidéos. C'était Kigounin et portez-vous bien.